Donc l'arbo-trek, c'est une randonnée arboricole. Le principe, c'est de passer d'un arbre à l'autre, tout en cordé dans les arbres et de jamais mettre le pied par terre. C'est un événement qui est organisé par Copalm. C'est une association d'arboristes, principalement des formateurs ou alors des artisans qui sont élagueurs, passionnés des arbres. Les binômes qui ont commencé à grimper lundi vont rester pendant 5 jours. On leur monte donc le ravitaillement et des tentes suspendues en fin de journée pour qu'ils puissent donc passer la nuit au cœur de l'arbre. Cette année pour l'Arbo-trek, on a voulu se rapprocher un peu des origines de Courant. L'entreprise Courant, elle est apparue au milieu du 19e siècle et a commencé son activité en tressant des cordes en chanvre pour les mariniers et les bateliers de la Loire. On est ici à Châteauneuf-sur-Loire, dans des grands platanes sur la promenade de Chastain. Des platanes qui font en moyenne 35 mètres de haut, avec des déplacements et des envergures assez intéressantes. Allez, j'y vais, il n'y a personne en dessous parce que... Il y a un risque. Ah ouais? C'est un peu comme en montagne où il faut lire un itinéraire, se deviner par où on va passer. Garde un peu de longueur en rade, quoi. On a un travail d'équipe avec le binôme. Il y a un des arbo-trekkers qui passe en premier et qui aide son copain à passer aussi. Yes, transfert. Bien joué. Cette année, on a tout fait en SRT, ça veut dire single rope technique. Donc on a toujours travaillé avec une seule corde, avec différents outils. Donc les quatre techniques qui sont utilisées, c'est le hitchhiker, le bulldog bone, le rope wrench et le rope runner. Au sol, on assure la maintenance, c'est-à-dire s'ils ont besoin d'eau, de nourriture. En plus, on essaie d'apporter vraiment une efficacité, une rapidité dans l'apport de nourriture. Par exemple, hier, on a essayé de leur donner du raisin avec le beach shot. Vous voulez du raisin, les gars? Un petit peu de raisin. Vas-y, au genou. Hein. Fermez les yeux. Ils sont pas réceptifs. Non, ils aiment pas. Les humeurs de technicien, c'est pas l'humeur de grimpeur. Ça n'a rien à voir. Il y a eu donc hier soir un déplacement dans les arbres en nocturne qui s'est terminé tôt ce matin. Ce qui est aussi important et intéressant sur cette édition, c'est qu'on a du public qui passe de façon régulière. Donc des gens posent des questions, pourquoi on est là, ce qu'on y fait. Ce soir, il a été mis en place par l'équipe technique 4 tyroliennes au-dessus de la Loire, sur une traversée de près de 300 mètres de large. Parce qu'il va y avoir mis en porte-à-l'aide pour les 4 grimpeurs. Une grosse difficulté qu'on n'avait pas trop prévu, c'est qu'on a une répartition des charges qui part de 4 lignes sur 2 lignes. Donc on a une ligne qui est tendue à 450 dames et on se retrouve après sur les lignes où il va y avoir les tyroliennes qui sont beaucoup moins tendues puisqu'il y a une répartition sur 4 cordes. Même si on lâche du mou, je ne sais pas si ça va changer grand chose. Ça nous a un petit peu fait creuser la tête là pendant 2 jours. Donc cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a 2 équipes d'arbo-trekkers qui sont parties de chaque extrémité d'un parcours. Les 2 équipes, elles se sont rejointes au milieu
Et là, on a dormi au-dessus de la Loire, donc en plein milieu de l'eau, voilà, suspendu dans des tentes. On va se coucher là-bas. J'attends ça avec impatience. Merci l'équipe technique. C'était un beau cadeau.